Non mais on lui met trop au dernier. Attends. Saute sur les mains, William. Non mais là tu te mets en position réelle, hein. C'est comme ça que ça arrive. Hein. Et c'est là que tu vas voir s'il va rentrer sous l'eau ou pas. Bah reste comme ça, parce que des fois on n'a pas le temps de monter de l'autre vas-y, côté. Vas-y, lâche le main. Comme ça, en fait, on va voir s'il se retourne. Lâche le main. Mais il se remplit toujours pas. On le lâche. Bon, avec de, avec de la houle. Vas-y, lâche, toi. Va à la pointe, William, pour voir si tu veux remplir. Si tu vas à la pointe, il va remplir. Mais et mets ta pas de fond là même par contre. Voilà, maintenant essaie de faire deux, essaie de monter dessus et va de l'autre côté. C'est pour mettre à léger, c'est un toboggan. Non mais il faut essayer de toute façon, dans toutes circonstances. Oui, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il essaye d'aller là-bas. Est-ce qu'il y a moyen de le faire? On va essayer de le faire. Pousser le bas. Attends, je viens dans l'eau. Ouais. Vous restez comme ça. Je vais essayer de pousser le bas. Mais toi, il te faudra un très grand bout. Non mais, il marche sur le bas, il s'appuie sur le bas, regarde. Ouais, juste. Là, les mâts sont sous l'eau, il n'y a toujours pas d'eau qui rentre. Quoi. Non, ça c'est très bien, ça c'est bien calculé. Là, il y a au moins un mètre de mâts sous l'eau. Regarde. Ça c'est la tête, tu me rates ça dans le cerveau, toi. Et là, regardez, et le mât est sous l'eau de 1m80, quoi. Regarde. 1m80 que la main est sous l'eau là. Putain, moi j'ai envie de balancer un seau d'eau dedans là. Avance un peu, tu sur le mât, William. Pardon ? Avance sur vers le pied de mât. Il touche, non ? Non, tout ça, toi. Ah ! Et. Je pense qu'il n'arrivera pas à faire chapeau, c'est si mal. Ah, si t'as du clapot, t'arriveras à rentrer. Peut-être du clapot, oui. Ouais, ceci se remplit.